Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Être Prof. Ce soir, nous avons Emmanuel Piquet à nos côtés. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Moi, je me présente, Sarah de l'équipe Être Prof. Et ce soir, on va parler des choses qui empêchent les élèves d'apprendre. Voilà. Donc, pour commencer, Emmanuel, je vais te proposer, si tu es d'accord, de te présenter un petit peu, même si beaucoup de monde te connaît, avec cet angle, un peu dans quelle nouvelle aventure on est finalement avec ce livre. Donc en fait, oui, alors pour me présenter rapidement, donc moi je pratique la thérapie brève et donc j'ai monté des centres qui s'appellent les centres de chagrin scolaire et qui donc, comme leur nom l'indique, visent d'une certaine manière à aider les gens qui sont dans ce milieu scolaire à apaiser les souffrances qui peuvent y régner parfois, essentiellement des souffrances relationnelles, mais les relations entre les gens, mais les relations aussi avec soi-même, parce que très souvent on est soi-même son propre tyran, d'une certaine façon. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, au fond, il y a parfois des choses qui empêchent, en effet, les élèves d'apprendre. Alors, ils s'adressent aux écoliers, mais ils s'adressent aussi à leurs enseignants, en fait, avec cette idée qu'évidemment, il n'y a pas de mode d'emploi, mais qu'il y a quand même des situations qu'on peut retrouver, en tout cas, qui se ressemblent, quoi, d'une certaine manière. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'en effet, on peut débloquer ces situations qui génèrent de la souffrance, à la fois chez les élèves, à la fois chez les enfants, à la fois chez leurs parents et à la fois, évidemment, chez les enseignants. Donc, faites-nous un petit coucou pour nous dire un petit peu, vous, qui êtes arrivés. Quels sont les élèves que vous avez et les situations auxquelles vous pensez où vos élèves sont empêchés d'apprendre? Qu'est-ce qui peut les empêcher ou qu'est-ce qui peut vous empêcher d'enseigner? Voilà, mettez-nous des petits commentaires, des petits coucou, des petits bonsoirs, qu'on puisse vous accueillir correctement. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre qu'on trouve aux éditions Albin Michel Jeunesse, c'est qu'il est très illustré. C'est le troisième d'une série, hein, finalement, après le sexisme et je me défends du sexisme et je me défends du harcèlement. Donc, cette fois-ci, c'est « Je comprends ce qui m'empêche d'apprendre ». Ça a été illustré par Lisa Mandel. Voilà. Absolument, qui a illustré les deux autres aussi et qui, avec laquelle il y a une vraie complicité, en fait. Hein, donc, on se comprend très, très vite. Elle comprend exactement là où on veut en venir, enfin là où je veux en venir d'une certaine manière, et donc c'est à nouveau illustré par elle, oui. Alors ce que je trouve moi super intéressant dans ce manuel, mais c'est un peu ça, hein, parce que c'est un manuel de combat finalement, c'est que c'est très ludique en fait, et c'est vrai qu'a priori ça s'adresse peut-être aux parents, aux enfants eux-mêmes, aux profs, et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est... même les enfants pourraient même le lire tout seul, en fait. Voilà, c'est vraiment, ils pourraient se doter. Et c'est très ludique, je disais, parce qu'à l'intérieur, il y a trois outils très, très sympathiques et très... on a envie de jouer. Ouais, voilà, je vous dis, moi, je lis tout de suite et je me disais, oh ouais, moi aussi, j'ai envie de jouer avec la loupe magique, etc. Est-ce que tu viens de nous parler des trois outils qu'on peut trouver finalement dans ce livre? Et peut-être avant de parler des trois outils, dire un petit peu quel est l'angle que tu as choisi. Tu as envie que les personnes, que ce soit les enfants, les profs ou les parents, tu as envie que ceux qui lisent se mettent dans quel état d'esprit et quelle approche finalement? Alors, en fait, l'idée, comme dans les autres livres, hein, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'au fond, on injecte de la souplesse dans des situations qui ont tendance à se rigidifier et donc qui, au fond, sont des difficultés qui sont transformées en problèmes. Et comment on fait, du coup, pour insuffler vraiment cette espèce de façon de voir les choses qui fait qu'on se dit arrêtons finalement de faire des choses qui ne fonctionnent pas, qu'on soit l'élève, qu'on soit l'enseignant en l'occurrence, parfois même le parent, et regardons un peu, de façon un peu plus souple justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de différent. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, des virages à 180 degrés, c'est comment au fond on aide les gens à faire exactement l'inverse de ce qu'ils font, puisque on note que très souvent ce qu'ils font aggrave le problème, en tout cas ne le résout pas, à minima. Donc les trois outils en fait dont va disposer l'enfant pendant qu'il lit ce livre et son enseignant aussi, c'est en fait, ça a été vraiment là pour symboliser la façon dont on procède nous en fait, hein, en thérapie brève. C'est d'abord une loupe magique qui permet donc de regarder les choses en effet de façon très pragmatique en disant finalement, qu'est-ce que tu as essayé toi de faire pour être moins déconcentré par exemple? Qu'est-ce qu'on fait les adultes pour faire en sorte que tu sois moins déconcentré et qui visiblement ne fonctionne pas puisque tu es là devant moi? C'est que donc ça a pas marché. Donc ça, la loupe sert à ça.
Et puis ensuite, il y a le boomerang, en fait, stratégique, qui consiste en fait justement, puisque c'est un boomerang, à aider l'élève à faire exactement l'inverse, donc c'est-à-dire à faire en sorte que la situation s'inverse. Voilà. Et puis le dernier ingrédient qui est extrêmement important aussi, c'est l'élixir de courage, parce que très souvent, ce qu'on va proposer à ces élèves, c'est vraiment des choses qui sont très, très différentes, très innovantes, et qui peuvent demander vraiment à certains moments du courage, parce qu'il va falloir dire des choses peut-être aux adultes, alors que ce n'est pas forcément facile. Ça veut dire qu'il va falloir modifier un certain nombre de comportements. Ça veut dire que parfois, il va falloir renoncer à certaines choses qui pouvaient être un peu confortables. Donc, en effet, ça demande dans certains cas, du courage. Ce que je trouve aussi intéressant, donc oui, continuez à nous mettre un petit peu les problématiques de vos élèves, je vais y en revenir, et puis pensez à nous mettre aussi dans quel niveau de classe vous enseignez, primaire, secondaire, quel type de classe. Oui, ce que je trouve très intéressant finalement dans l'approche, c'est aussi le fait de responsabiliser les enfants, de leur redonner le pouvoir d'agir, et derrière ils peuvent être accompagnés et aidés par les adultes, mais il y a vraiment au cœur de ça finalement de leur donner des choses qui sont à leur portée. Donc ça, je trouve ça oui, c'est vraiment notre parti pris vraiment d'une façon générale, hein, dans nos centres, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'au fond on va se mettre à côté de l'élève ou à côté de l'enfant pour l'aider à puiser dans ses propres ressources, parce qu'en fait on trouve quand même que dans un certain nombre de cas, pas tous évidemment, mais dans un certain nombre de cas, les élèves sont où les enfants sont habitués à les puiser dans des ressources un peu extérieures, notamment chez leurs parents, parfois chez leurs enseignants, et que du coup, ils ne se musclent pas au fond, et donc ils ne font pas des apprentissages qui sont absolument indispensables. Je ne parle pas forcément d'apprentissage académique, je parle d'apprentissages comportementaux, relationnels, etc. Et donc, vraiment, cette idée, c'est qu'est-ce que toi, tu pourrais faire de différent dans ce livre-là, tout comme c'était le cas d'ailleurs dans celui pour le harcèlement, pour le sexisme, c'est comment tu vas aller puiser toi dans ce qui est à toi. Parce qu'en plus, le problème, c'est que quand on ne puise pas dans ses propres ressources, ça se tarie en fait. Et donc vraiment, cette idée, c'est comment est-ce qu'on va t'aider en se mettant à côté de toi à faire autrement. Oui, c'est ça, parce que moi, je vois, avec toute la bonne intention du monde, le premier réflexe, ça serait d'aller sauver l'élève, d'aller l'aider finalement tout de suite. Et finalement, c'est aussi lui envoyer le message que nous allons nous en occuper parce qu'il ne sait pas gérer. Et c'est vrai que c'est assez étonnant d'entendre ça, parce que au départ, moi, je trouve que ça fait du bien de l'entendre, parce que alors qu'on veut faire quelque chose de bien, on se rend compte qu'on enlève à l'enfant l'occasion d'agir par lui-même ou de nous guider sur comment faire autrement aussi. Tout à fait. Parce que, comme tu le dis très bien, au fond, le problème de la prise en charge, c'est-à-dire, quand je dis prise en charge, c'est vraiment faire à la place de l'élève des choses qu'il devrait être capable de faire, c'est vraiment lui envoyer le message, un, qu'on l'aime et que évidemment on a envie de prendre soin de lui, mais le deuxième message qu'on envoie implicitement, c'est en effet tu n'es pas capable. Et le fait d'envoyer ce message-là, même s'il est dit de façon affectueuse et douce, c'est quand même un message qui creuse, qui peut creuser encore le manque d'estime qu'ils ont éventuellement en eux-mêmes, quoi. Ok, alors ici, donc ce soir, nous parler des choses qui empêchent vos élèves d'apprendre. Alors, l'émotivité de certains, nous dit Sylvie, qui peut être très envahissante en CM1, CM2. Des élèves qui sont captifs des écrans et qui peinent à se motiver, nous dit Didou en CM1, CM2. Le découragement de certains élèves dysgraphiques, par exemple, aussi, pareil en CM1, CM2. Donc, s'il y a des collègues aussi de collège, lycée, tout ça, dites-nous un petit peu ce qui empêche vos élèves, ce que vous avez remarqué déjà dans vos classes, et ce qui vous empêche, en fait, ce qui empêche vos élèves d'apprendre. Ce qui est intéressant ici, c'est que bien sûr, la place est laissée aux émotions, à la compréhension, à la gestion des émotions. Et puis aussi, elles sont... moi, ce que j'aime bien, c'est cette idée vraiment de manuel, où à la fois, c'est pour l'élève, mais je trouve que pour nous aussi, collègues, c'est intéressant de se dire comment on pourrait, nous aussi, faire un 180 degrés et s'y prendre autrement. Peut-être que le problème de l'apprentissage n'est pas lié qu'à l'apprentissage, il y a sans doute autour plein d'autres choses, les émotions, les relations entre les élèves, la relation avec l'élève lui-même ou avec les parents. Et c'est vrai que c'est bien de le savoir en théorie, bon, d'accord, on se doute qu'il y a quelque chose par là-bas à faire, mais là c'est hyper concret parce que c'est des études de cas. Donc ici, vous avez choisi dans cette optique, dans ce manuel, de prendre différentes études de cas, et de pouvoir les décrire aussi avec des mots qui sont à la portée des enfants. Donc je trouve que c'est un super outil aussi de ce point de vue-là. C'est-à-dire que même pour apprendre à parler à l'enfant et à l'aider à expliciter et à montrer ce qui se passe, c'est aussi un guide pour nous finalement. Mm-hmm. Donc ça, je trouve ça intéressant. Comment c'est venu l'idée de faire quelque chose d'aussi pragmatique finalement ?
En fait, vraiment, nous, notre idée, c'est vraiment d'être résolutoire. C'est ça qui nous intéresse, contrairement à d'autres approches qui vont travailler sur d'autres façons d'appréhender ces sujets-là. Nous, vraiment, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut être résolutoire à la fois pour les enfants, à la fois pour les adultes. Et finalement, quand on a commencé à se pencher sur ce sujet-là, de ce qui empêchait d'apprendre, on s'est rendu compte que, globalement, il y avait trois grandes catégories. Il y avait donc les émotions, en effet, comme dit Sylvie, des émotions qui peuvent être très envahissantes, ça peut être des peurs, paniques, ça peut être vraiment des attaques de panique, mais ça peut être aussi des angoisses qui d'une certaine manière paralysent, ça peut être des colères aussi à certains moments. Moi, je pense qu'il y a des écoliers en colère, puisque là c'est vraiment un livre qui s'adresse aux écoliers. Donc ça, c'est la première catégorie. Et ça, il faut savoir le traiter parce que malheureusement, ce n'est pas en disant « Ah, tu n'as aucune raison d'avoir peur » ou « Tu n'as aucune raison d'être en colère » qu'on gère ce genre de soucis. Ensuite, il y a plus un deuxième aspect qui est plus celui des sensations et non pas des émotions. Donc, des sensations qui tout à coup viennent saisir un enfant, comme par exemple le premier cas par exemple de Lila qui a vraiment cette espèce de déconcentration qui lui tombe dessus d'une certaine manière. Elle ne peut pas s'empêcher de se déconcentrer, en fait, de partir en rêverie. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir s'empêcher de s'agiter dans tous les sens parce que notre corps, finalement, n'obéit plus à notre cerveau. Quoi. Ouais. Et puis, le dernier point qui, à mon avis, est très important aussi, c'est plus du domaine, non plus donc des émotions ni des sensations, mais du domaine des croyances. Ouais. Et notamment des auto-croyances le fait que je suis nue, ce n'est pas moi le bon élève dans la famille. Ou alors, moi, je suis comme mon père, par exemple. Ouais. Ou alors, c'est trop tard, par exemple. De toute façon, j'y arriverai plus jamais, quoi. Qui peuvent générer donc des renoncements extrêmement douloureux, en fait. Oui, ça, on l'entend, mais c'est assez fou. Très jeune, des enfants sont capables de nous dire, en gros, c'est foutu, continuez sans moi, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est impressionnant comme ça peut venir vite. Ce que je trouve aussi super intéressant, ce que tu viens de dire, c'est aussi Lila, je crois, qui ne peut pas s'empêcher de son corps, empêcher son corps de bouger, de partir dans la lune, etc. Je trouve ça intéressant pour nous aussi, parce que quand on est pris la tête dans le guidon, quand on se sent aussi mis à mal par toutes les problématiques qu'on a à gérer dans la classe, il y a un moment, il faut être honnête, où ça coupe un petit peu notre empathie. On s'occupe un peu de l'empathie avec nous-mêmes et de tenir. Et on a tendance, entre profs, à qualifier, à avoir d'autres qualificatifs. Donc, j'aime bien la façon aussi dont les choses sont proposées. Comme là, par exemple, le fait de partir dans la lune et de ne pas pouvoir s'empêcher et que ça soit finalement aussi un super pouvoir, mais à d'autres moments. Mmh. Comment, à un moment donné, ne pas transformer ça forcément en défaut, en chose grave, en chose culpabilisante et lourde, mais plutôt revenir sur... Ici, il y a quelque chose à faire et en même temps, c'est aussi un super pouvoir. Mmh. Donc là, par exemple, parler de la capacité d'auto-hypnose, moi, je trouve ça tellement positif aussi de nous aider à reposer un regard positif sur ce que nos élèves peuvent vivre, peuvent avoir, et aussi un côté déculpabilisant parce que il y a ce côté, est-ce qu'on serait un peu laxiste à tolérer, à ne pas comprendre à, voilà, il y a plein de petits combats internes. Et je trouve que la façon dont c'est écrit, le fait que ça soit très ludique, le fait que même ça soit un petit peu poétique et qu'on dise à cet enfant là, quand tu pars dans la lune, etc., c'est une super qualité et c'est une super compétence. Tu pourrais même l'apprendre à d'autres. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'est-ce qui aide un enfant comme ça, si on est dans ce cas-là avec un de nos élèves, qu'est-ce qui est proposé dans le manuel, comment on peut l'aider pour ne pas stigmatiser ça, justement? Oui, donc en fait, Lila, pour expliquer un peu l'histoire, donc Lila vient me voir parce que sa maman est très inquiète. Elle est sollicitée pas mal par l'institutrice, en effet l'enseignante, qui dit qu'elle a vraiment tendance à se déconcentrer à partir dans la lune, mais ce qui est, ce qui est un peu le cas de pas mal d'enfants. Ce qui est assez amusant, c'est qu'elle me raconte, Lila, que sa maman est rentrée là en disant « Maintenant, ça suffit, il faut qu'on fasse quelque chose. La maîtresse a dit qu'il faut aller consulter, etc. » parce que, me dit Lila, « Je crois que j'ai une maladie avec 3 ou 4 lettres et je ne sais plus lesquelles. » Et elle me dit, et donc, hier soir, elle a dit ça à papy en disant « Voilà, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour la déconcentration de Lila. » Et son papy a répondu « Est-ce qu'elle mange des bonbons ?»
Et donc sa mère, qui connaît la blague, parce que c'est son père quand même, hein, le grand-père, donc dit « C'est bon, papa, c'est bon, je te dis que c'est un peu grave. » Et là, elle répond, il répond « Je te demande de me répondre, est-ce qu'elle mange des bonbons ?» C'est à quoi sa fille répond « Oui, elle mange des bonbons. » Et là, il dit donc qu'on lui foute la paix. Donc, parce que, et donc, il la trouve son grand-père très sympa, mais en même temps, ça ne résout pas son problème. Hein, c'est qu'il se trouve qu'elle m'explique, en fait, qu'elle essaye vraiment de se concentrer. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on demande aux enfants, mais donc j'ai l'impression que la maîtresse n'est pas contente, que maman est inquiète aussi, toi, tu n'es pas très contente. Et donc, qu'est-ce que tu fais, toi, pour arranger le problème ? Et elle dit, donc, maman, dans la voiture le matin, me dit, tu jures que tu te concentres, Lila, tu promets. Et donc, je promets, et vraiment, je me dis, concentre-toi. Et en fait, elle est trop mignonne parce qu'elle me dit, j'arrive dans la classe et là en fait ce que je fais pour me concentrer c'est que je regarde l'image d'un hibou qu'il y a sur un des murs et je me dis concentre-toi Lila, regarde ce hibou, regarde-le bien, concentre-toi. Et comme en effet, comme tu le disais Sarah, elle a un talent d'auto-hypnose assez fort, à partir du moment où elle se dit, elle regarde ce hibou et elle se perd dans ses yeux et elle monte et elle me dit en fait c'est comme si je prenais un ascenseur supersonique qui va jusqu'au 17000e étage en fait hyper vite. Et elle me dit, et donc là je monte et je ne m'en rends pas compte, et là je me retrouve soit dans ma cabane, soit avec mes Playmobil, soit en train de faire autre chose. Et elle me dit, et en fait, je suis ramenée assez rapidement en bas parce que la maîtresse crie, mais c'est la troisième fois où elle crie que j'entends. Avant, je n'entends pas en fait, parce que je suis trop partie. Et donc la maîtresse, quand elle crie au bout de trois fois, elle n'est vraiment pas contente, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Elle me dit, j'ai aussi essayé de regarder Laura, parce que Laura, dans ma classe, c'est une fille qui est hyper concentrée. Elle me dit, j'ai l'impression que son cerveau est connecté au cerveau de la maîtresse, alors que moi, pas du tout. Hein, il n'est pas du tout connecté au cerveau de la maîtresse, que je ne sais pas, il part dans tous les sens. Des fois qu'il y a des ondes écrites. Exactement. Donc, elle essaie de fixer ses yeux en disant, je vais faire comme elle, mais elle dit, je ne comprends pas comment elle fait. Donc, vraiment. Elle essaye quand même pas mal de choses, Bichette. Et elle n'y arrive pas du tout, quoi. Et donc, en fait, ce qu'on met en lumière grâce donc à la loupe magique, puis au boomerang stratégique, c'est qu'en fait, elle, tout ce qu'elle essaye de faire en permanence, et c'est très fréquent dans les, soit dans les diagnostiqués TDAH, soit dans les pré-diagnostiqués, c'est vraiment de dire « concentre-toi, Lila ». Elle se dit ça, sa mère lui dit ça, la maîtresse lui dit ça, tout le monde lui dit ça. Et au fond, le problème de la concentration, c'est que je pense que c'est quelque chose d'infiniment intime. C'est-à-dire que décider de se concentrer sur un sujet qui, par exemple, ne nous plaît pas tellement, c'est extrêmement compliqué. Or, on ne le prend pas en considération, que c'est quelque chose qui est de l'ordre du désir et pas de la volonté. C'est pas pareil, le désir et la volonté. Et là, on est en train d'intimer, finalement, l'ordre à Lila de se concentrer. Et je lui dis, j'ai l'impression que plus on fait ça, et plus tu te déconcentres. Elle me dit, c'est exactement ça. Je lui dis donc, ça veut dire qu'il va falloir laisser un moment pour ta déconcentration. Mais à un moment qui n'agace pas la maîtresse. Parce que c'est logique, comme tu le disais, qu'à un moment donné, l'enseignante, elle soit agacée et qu'elle soit inquiète pour toi aussi, de voir qu'au fond, à cause de ça, tu n'es pas dans les apprentissages. Et donc, il a été décidé, c'est Lila qui a décidé, de choisir le moment de la chorale, puisqu'il y avait une chorale le matin, d'à peu près 10 minutes, un quart d'heure de chorale. Et elle disait, je me suis mise derrière Léa, qui est plus grande que moi, et comme ça, je peux partir pendant ces 10 minutes. dans l'ascenseur supersonique. Ce qui est assez amusant, c'est qu'à un moment donné, je lui dis, mais tu peux, là, par exemple, devant moi, monter dans l'ascenseur, est-ce que tu peux le faire? Et elle me dit, bien sûr. Elle me dit, par contre, je ne t'emmène pas parce que tu es un peu lourde. Ce que j'ai trouvé un petit peu vexant, mais enfin, oui. Bon, en même temps, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais les enfants ont l'art pour dire les petites phrases. C'est ça, les petites phrases qui font plaisir. Dont on se souviendra longtemps. Exactement. Voilà. Donc, en effet, c'est pas du tout laxiste. Il s'agit pas de lui dire déconcentre-toi comme tu veux. Il s'agit de dire à quel moment est-ce que cette déconcentration n'est pas perturbante pour tes apprentissages et n'est pas irritante pour les adultes d'une certaine manière. Et ce qui était intéressant, c'est que Lila, en fait, à partir de là, elle a compris que c'était un pouvoir, en effet, qu'elle pouvait, en effet, partir en auto-hypnose, mais qu'il valait mieux le faire dans des moments où elle n'allait pas être dérangée, où elle allait pouvoir en bénéficier le plus possible, le pleinement, oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc, je vous donne une petite info après, c'est que vous allez pouvoir tenter, alors je vais vous donner maintenant, là, vous allez pouvoir tenter de gagner le livre d'Emmanuel Piquet. Et pour ça, alors on va faire un petit jeu, vous allez devoir taguer vos collègues et vos amis en commentaire. C'est simple, vous écrivez leur nom pour qu'ils puissent rejoindre le live. Et du coup, il y aura des gagnants pour gagner le livre dont on est en train de parler en ce moment. Donc, à vous de jouer. Et ouais, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, dans ce que tu expliques, pour moi, c'est aussi donner des instructions actionnables. C'est-à-dire que concentre-toi, fais un effort, travaille bien. Très souvent, on a ces conversations avec les parents d'élèves où le parent nous dit « Bon, tu travailles bien aujourd'hui à l'école. » Mais « tu travailles bien », ça ne veut rien dire concrètement. L'enfant, même s'il essaye, il ne sait pas quoi faire et quoi actionner. Il ne peut pas appuyer sur un bouton. Ce n'est pas concret, parce en fait. Parce qu'en fait, je pense que l'analyse ne va pas sur ce qui empêche. En plus, ouais.
C'est ça, en fait. C'est-à-dire que, et la plupart du temps, ils la prennent, l'injonction, vraiment. Ouais. Ils se disent... Et le problème, c'est que ça fait double résonance. Et au fond, plus ils essayent, et moins ils y arrivent, justement, parce que c'est pas actionnable. Mais surtout parce que... Enfin, aussi, pardon, parce qu'on n'a pas regardé, identifié de façon claire ce qui empêchait, en fait. Hein. Et parfois, ils savent pas forcément le dire, hein, ce qui empêche. Ils arrivent souvent à le dire dans les... Si on reprend un autre exemple sur les sensations, c'est l'histoire de ce petit Kylian là, qui ne peut pas s'empêcher de gigoter en permanence. Il dit, au bout d'un moment, je regarde l'horloge. Donc, lui, il ne regarde pas le hibou, il regarde l'horloge. Il se dit, il va falloir que je tienne encore 10 minutes. Et on sent une espèce de combat interne entre son esprit et son corps. Et au fond, il raconte très bien, il essaye de maintenir ses genoux serrés. Il se dit, je vais chanter dans ma tête, comme ça, ça m'empêchera de bouger. Et il se rend compte qu'il chante tout fort, ce qui énerve terriblement l'enseignant, ce qui est logique. Et l'enseignant, mais vraiment en écoutant sa volonté que ça s'arrange et sa bienveillance, met à côté de lui la plus calme de la classe, et en lui disant, voilà, je te mets à côté d'elle, comme ça, ça va un peu calmer, ça va un peu, voilà, de façon complémentaire, vous allez un peu vous calmer, etc. Et donc, du coup, cette petite fille est hyper agacée par les comportements de Kylian et commence à lever les yeux au ciel et lève la main en disant, il a encore bougé, etc. Ce qui accentue encore le côté calme-toi. Et on arrive à un stade où, quand il vient me voir, il ne peut pas s'empêcher de se lever, carrément, de se lever, d'aller taper sur la tête d'un copain et de revenir, quoi. Et il dit, je ne peux pas, ça part, quoi, en fait. Et je pense que le problème, que là encore, c'est géré avec de la volonté, avec les parents qui disent maintenant, si tu ne te calmes pas, si tu ne changes pas radicalement de comportement, on te prive de foot, par exemple. Alors, l'enseignant, en plus, c'est adorable, il l'appelle son marsupilami, et donc il m'explique, il dit marsupilami, je ne sais pas si tu sais, mais c'est un truc que les vieux aiment bien, c'est un personnage de BD qui bouge tout le temps, donc voilà. Et donc, il dit, et donc c'est pour ça que quand il le dit, je sens que c'est gentil, mais en même temps, il n'en peut plus, parce qu'en plus, on est trois marsupilami dans la classe. Et donc, exactement pareil d'ailleurs que pour Lila, on s'est dit au fond, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que cette agitation puisse, d'une certaine manière, avoir lieu sans perturber le reste de la classe, quoi. C'est ça. Voilà. Et que ce soit lui-même, Kylian, qui ait proposé ça à l'enseignant, donc en l'occurrence, c'était un parcours avec des pas en autocollant, quoi, où ils puissent avoir, donc ils avaient acheté chacun un petit marsupilami, c'était trop mignon, et ils levaient la main en disant, est-ce que je peux aller sur le parcours qui était autour du coin lecture, et en fait... C'était trop mignon parce qu'il a proposé ça à l'enseignant. L'enseignant a dit, c'est une bonne idée, qui te l'a donné? Parce que donc il avait dit, hein, qu'il en avait parlé avec moi. Et il m'a appelé cet enseignant pour savoir si c'était vrai, parce qu'il trouvait ça quand même un peu étrange, c'est vrai. Mais en fait, ça a été mis en place et ça a vraiment considérablement apaisé le climat de la classe. Hein, c'est ça, hein. C'est ça, parce que souvent, ce qu'on remarque, hein, quand on donne ces espaces et ces latitudes à nos élèves, pour moi, c'est rentrer dans le côté réaliste. Finalement, il y a un côté... Il y a un problème? Est-ce que vous nous entendez bien? Dites-nous. Je pense qu'il y a assez coupé. Ouais. Attends, je regarde si on est sur... Tu me dis. Hein. C'est bon? Ça relance? Tu me dis si c'est bon? Ouais. Bon, alors apparemment à l'antenne, dites-nous si on est bien revenu, si vous nous entendez bien, si l'image et le son, c'est OK. Faites-nous des petits j'aime, des petits plus, des petits bidules qui nous montrent que tout va bien. Voilà. Bon. OK. Donc, ouais, ce qui est intéressant, c'est aussi cette idée d'être réaliste, finalement. Super. C'est cette idée d'être réaliste. Et je dis ça, c'est pareil quand j'ai la tête dans le guidon. Bon, après, mon fils m'a beaucoup aidé parce qu'il est à la fois marsupilami et plein d'autres choses. Et pareil, il rentrait à la maison, il me disait, non, mais déjà que je fais l'effort d'eux, je fais ça, j'écoute ça, je fais ça. En plus, ça ne m'intéresse pas forcément. Et en plus, je ne bouge pas pendant des heures. Je ne suis pas payée. Et ouais, limite. Mais il y a ce côté où on peut comprendre. Et en même temps, les règles, elles sont là. C'est-à-dire que pour quand même la concentration globale, on ne peut pas être dans tous les sens. Mais par contre, effectivement, à partir du moment où on se pose dans comment on pourrait faire pour concilier les deux, et c'est là que on a beaucoup de collègues qui ont plein d'imagination. Dites-nous justement les trucs que vous avez trouvés comme ça, les conciliations que vous avez trouvées qui permettent de garder le calme dans la classe, de garder la concentration et en même temps de permettre à des enfants qui ont besoin un peu de faire quelque chose. Et si on est très très honnête, je ne pense pas qu'il n'y a qu'une Lila dans une classe ou qu'un seul marsupilami dans une classe. Honnêtement, il y a un côté, moi il y a des fois je me disais,
Tu sais, Sarah, je pense que tu oublies un peu, c'est-à-dire que toi, tu es debout, parce que moi, j'aime bien être debout quand je parle, quand je fais. Donc, moi, je gigotais partout et eux, ils n'avaient pas le droit. Donc, il y a ce côté, on oublie un peu quand même. C'est que nous, on n'a pas ce problème-là parce qu'on ne s'astreint pas à faire. Et je ne sais pas vous, mais quand on est en animation péda et qu'on ne peut plus bouger et que machin, c'est plus compliqué de se concentrer. Donc, il y a des fois, on oublie un peu. Et je trouve ça chouette de reprendre cette approche, de sortir des crispations. Parce que sinon, on est dans ce côté, mais voilà, il n'obéit pas et pourtant, on lui dit, et j'ai déjà répété. Il y a souvent ce piège hein, de dire, je lui ai déjà dit 1000 fois, ils ne font pas assez d'efforts. Les parents se disent aussi, et c'est la course, l'escalade à la culpabilité et à la pression qu'on met sur l'enfant. Et je trouve que finalement, quand on revient à quelque chose de réaliste, tout simplement, nos élèves peuvent pas rester 6 heures sans partir ailleurs, concentrés. Hein. Quand on regarde les chiffres, c'est quelques minutes, quelques secondes d'affilée. Donc, il faut quand même pas le prendre mal, c'est pas contre nous. Mais je veux dire, même si on a d'aller vers ce côté d'être plus passionnant, plus intéressant et de rendre les élèves actifs, ça, c'est un pan qu'on peut faire. Il y a aussi le principe de réalité ici qui est soulevé, de dire effectivement, qu'est-ce qu'on peut leur proposer qui ne dérange pas la classe. Donc ça, c'est vrai que c'est une super approche. Donc, tentez bien, pensez à faire vos tags pour essayer de gagner le livre d'Emmanuel. D'autres anecdotes. Après, ce que je trouve, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment il est construit le livre aussi concrètement? Par exemple, là, il y a une page où il y a écrit « Entraîne-toi » et on voit ici, avec l'enfant, on voit l'utilisation de la loupe, du boomerang et puis différentes instructions. C'est très, très concret. Hein, on n'est vraiment pas dans la théorie, on est dans vraiment les situations et on peut mettre en place tout de suite avec un peu tout le panel qu'on peut avoir de nos élèves finalement et des impasses qu'on peut avoir d'habitude dans la classe. Est-ce que tu peux nous dire d'une certaine manière de faire en sorte que l'enfant puisse s'entraîner, quoi, puisse vraiment se dire tiens, dans cette situation-là, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Alors déjà, comment j'identifie en effet le problème, comment je comprends bien ce qui empêche, hein, encore une fois, parce que je crois que vraiment ça c'est important, ouais. et comment j'identifie ce qui a déjà été tenté et qui n'a absolument pas fonctionné. Et ensuite, alors, comment est-ce que je fais un virage à 180 degrés? Et donc, il y a vraiment des questions qui sont posées pour le guider, etc. Et puis, à la fin, il y a une explication de ce qu'en tout cas, nous, on a proposé. Sachant que ce qui est intéressant, je trouve, avec les virages à 180 degrés, c'est qu'il n'y a pas une solution, il y en a 1000, en fait, de possibles, à partir du moment où elles vont à l'inverse de ce qui a déjà été, tenté. Puis, c'est chouette parce que c'est aussi des cas réels. Donc, c'est inspirant parce que ça peut donner, effectivement, on les reconnaît un peu tous, hein, on a un peu tous eu dans nos classes finalement ces situations-là, ces élèves-là. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de bouger, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, partir dans l'ascenseur supersonique. Sur les émotions, comme disait Sylvie, en effet, hein, il y a vraiment des émotions et notamment des émotions d'angoisse qui peuvent très clairement paralyser des enfants, ouais. Et des angoisses qui ne sont pas d'ailleurs forcément du tout liées à la matière académique. Ouais. Par exemple, il peut y avoir vraiment des enfants qui ont super peur qu'il arrive quelque chose à un de leurs proches. Et ça, on ne l'identifie pas forcément parce qu'ils ne le disent pas, parce qu'ils ont un peu honte ou parce qu'ils ont peur qu'on leur dise « Mais non, t'inquiète pas, il ne va rien se passer », ce qui est logique qu'on fasse, mais qui, la plupart du temps, ne fonctionne pas du tout parce que l'enfant ne se sent pas du tout écouté. Et donc, une façon de faire aussi, c'est vraiment, je pense, d'apprendre à dire « Toi, il y a quelque chose qui te fait super peur. Et donc, j'aimerais bien comprendre ce que c'est, parce que je me dis que si on ne comprend pas ce que c'est, on ne pourra pas le regarder en face. Or, ce qui fait peur, quand on ne le regarde pas en face, ça devient encore plus terrifiant. Donc, une façon de faire, donc je l'explique dans le livre, avec différentes angoisses, ça peut être ça. Il peut y avoir aussi des tristesses abyssales. Moi, je me souviens on a la chance de former pas mal d'enseignants, pas mal de CPE, pas mal de psyscolaires qui veulent se reconvertir pour pouvoir accompagner encore plus près donc les élèves comme ça, qui racontent que très souvent, notamment en maternelle ou en début de primaire, il peut y avoir des enfants qui sont dans une espèce de tristesse abyssale, notamment au moment de la rentrée, quoi, oui. En fait, hein, au début de l'école. Et au fond, cette tristesse, elle n'est pas forcément exactement prise en considération parce qu'on n'a pas envie qu'un enfant pleure. Donc, on lui dit « Mais non, mais t'inquiète pas, maman, on va revenir ce soir et ça va se passer. » Alors que simplement dire « Mais c'est super triste. En plus, ça va durer longtemps, quoi, en plus. » Parce que quand même, c'est long une journée d'école. Ouais. Et donc, moi, je comprends à quel point t'es triste. Ça apaise considérablement. Ouais. Ouais. Mais on n'a pas forcément le réflexe de faire ça, quoi. Non, c'est vrai. On a plutôt… Alors, c'est maladroit, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à vouloir mettre un chapeau sur l'émotion et l'enlever.
Alors qu'effectivement, l'accueillir, on sait en plus que ça... Ça apaise. Bah oui, mm-hmm. juste d'être entendu et, de, mm-hmm. et c'est fou ce que ça... Ouais. Et de ne pas essayer de trouver de solution, en fait, oui. de juste dire je comprends, c'est horrible. Quoi. Je veux dire, à ta place, moi je serais super triste ouais. aussi. Ouais. C'est déjà extrêmement, ouais. extrêmement sécurisant, quoi, ouais. en fait. Hein. C'est ça. Mais je pense que c'est sécurisant pour l'enfant. Il y a quelque chose aussi de pour nous qui est... il y a un côté un petit peu, je trouve, dans notre métier quand on arrive. Je ne sais pas vous, vous nous direz, on va revenir un peu sur les solutions que vous avez trouvées. Mais en termes d'émotion, comment vous vous sentez quand vous devez gérer ça? Pour moi, il y a un côté aussi abyssal qui est, mais si je commence à mettre le doigt là-dedans, et puis s'il y a un enfant, s'il y a un autre, et puis après, est-ce que je vais savoir quoi répondre? Parce que quand même, finalement, on n'a pas eu de cours de récréation à l'UFM ou à l'ESP. Comment on gère un enfant qui nous dit « ben voilà, là je me sens triste » ou alors « il m'a regardé et ça m'énerve » ou alors « j'ai bobo et j'ai mal » et voilà. Et c'est vrai que je trouve que ça fait partie des flous complètement artistiques de notre métier. On n'a mais aucune clé au départ et on y va comme on peut. Et il y a aussi cette idée d'essayer de dénier pour dire non, mais il faut qu'on aille apprendre, c'est important. Et est-ce que ce n'est pas aussi finalement une peur? Qu'est-ce que vous en pensez vous aussi? Qu'est-ce que vous répondez dans ces cas-là? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez vos trucs et astuces maintenant? Parce que voilà, ce que je trouve chouette là-dedans, c'est qu'il y a un côté apaisant de se dire « Ah, on peut dire ça à un enfant ». Ben oui, effectivement, ça ne va pas partir dans tous les sens. C'est l'inverse, hein. C'est-à-dire c'est qu'à mon sens, c'est si on essaye de contrôler, encore une fois, par la volonté, quelque chose qui est de l'ordre du ressenti et de l'émotionnel, qu'on risque de faire, d'une certaine manière, exploser l'émotion et qu'elle va faire contagion. Donc, je pense que c'est exactement l'inverse, en fait. Mais je comprends cette inquiétude, de la même façon d'ailleurs que lorsqu'on dit, par exemple... Parce que moi, je trouve que la déconcentration, encore une fois, c'est quelque chose de très positif. Et qu'on dit, installons une lune dans toutes les écoles, parce que ça, c'est un de nos combats chez chacun scolaire. Installons une lune dans toutes les écoles pour que les enfants puissent aller se déconcentrer, puissent aller dans la lune, parce que c'est bien d'aller dans la lune, ça fait du bien à certains moments. Une des angoisses des enseignants, c'est de dire, mais s'ils veulent tous aller dans la lune, ce qui est une question légitime. Je dis, ben, faisons une liste d'attente, alors. Ouais, et ça. Puis voilà, chacun ira à son tour. Mais en fait, à partir du moment où on le met... de façon souple en place, on s'aperçoit que les enfants gèrent ça très bien et ils y vont vraiment quand ils se disent je suis complètement déconcentré, il vaut mieux que je ouais. file dans la lune. Quoi. Oui, et puis on peut les responsabiliser, c'est-à-dire que souvent avec des élèves, on peut organiser que ce soit les déplacements, que ce soit ce genre de choses, des élèves qui ont besoin d'aller boire parce que du coup, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi je sais qu'avec j'avais un élève comme ça qui avait dû, enfin, j'ai pas eu qu'un, mais... qui avait besoin de gigoter, qui avait du mal, et je sentais bien que, voilà, alors c'est vrai que par ailleurs, il n'avait pas de difficultés sur les apprentissages, mais peu importe, à un moment donné, de toute façon, ça ne va pas rentrer. Et donc, ce que je faisais, c'est que je lui écrivais un petit mot, où j'écrivais à ma collègue, ça va, toi, mon élève a besoin de faire un petit tour, donc du coup, bah, je lui demande de t'envoyer un petit mot. Et puis, bah, voilà, il revenait, et elle me disait, oui, très bien, et puis voilà, et puis des fois, je lui dis, oh, un petit tour encore. Tiens, tu peux aller encore lui envoyer ça. Et voilà, et ça lui faisait du bien, ça passe ni vu ni connu. On a nos petites astuces comme ça, c'est quoi les vôtres? Il y en a plein, là. Dites-nous, voilà. Alors, dites-nous, voilà, je regarde un peu, je vais reprendre un petit peu dans l'ordre, c'est bien, nous répondez. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas de taguer pour... bon, vous pouvez acheter le livre, mais vous pouvez aussi essayer de le gagner. Alors, voilà, les choses que vous avez mises en place pour essayer d'arranger les choses dans votre classe, donc pour donner l'opportunité de se lever. Sylvie nous parle du ballon de gym au coin lecture, un moment de respiration pour se recentrer et puis s'adapter à chacun, les aider à exprimer leurs besoins. Et puis, elle les aide aussi à accompagner, à aider à verbaliser l'émotion et être dans l'empathie. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est un super outil qu'on peut utiliser avec nos élèves en parlant justement. Moi, je me vois bien voilà, dans la classe, là, demain, parler de mes élèves et se dire, tiens, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Lila, discuter, est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est en ça que je le trouve hyper pratique et fonctionnel, c'est que, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Lila a 8 ans, je ne peux pas m'empêcher d'être dans la lune, et puis voir après comment elle a fait, ce qui s'est passé, et que nous aussi, on cherche des solutions en classe, quoi. Ensuite, j'ai moins de tables, donc Magali nous dit qu'elle a moins de tables et de chaises que d'élèves. Eh oui, l'aménagement de la classe, ça va jouer. Hein. C'est chouette. Ouais. On fonctionne en plan de travail en maternelle, l'enfant se déplace dans la classe en fonction de ses besoins et est donc disponible au niveau attentionnel car son besoin de mouvement est assouvi. Tout à fait Magali, effectivement, en créant l'opportunité, au moment où ça ne dérange pas et en créant des occasions, on reprend, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure dans le côté réaliste, on reprend la main sur, on donne l'opportunité de le faire et en même temps on le cadre et du coup, ben, du bonheur quoi.
Fanny nous dit, je leur laissais la possibilité de se déplacer avec leur cahier et d'aller travailler où ils voulaient dans la classe, souvent allongés dans le coin lecture. Est-ce que d'autres l'ont fait? Moi, j'ai fait aussi, et avec des CM1, CM2, et j'ai remarqué qu'ils étaient beaucoup plus calmes parce qu'ils n'avaient pas besoin de gigoter partout, qu'ils étaient beaucoup plus concentrés et productifs parce qu'ils n'avaient pas à gérer leur corps, et que je suis la première, enfin vous aussi, vous me direz. Et moi, j'avais fait le plan d'aide à la lecture, c'était pour aider les jeunes, c'était dans le 92, il y a quelques années, c'était un dispositif pour aider les jeunes à aimer lire. Voilà, ils savaient, c'était pas de l'accompagnement de lecture. Et le premier truc, c'était de passer par le corps et aimer lire, c'est dans quelle position avez-vous envie de lire? C'était allongé par terre, dans un coin, se faire une petite cabane dans la bibliothèque. Et là, déjà, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui ont de l'appréhension en se disant ça va partir partout. Mais au contraire, parce qu'ils seront contents d'avoir cet aménagement et ce privilège, ils vont trouver ça précieux et ils vont faire en sorte que ça se fasse. Bon, après, on ne va pas se mentir, il faut aussi tenir sa classe. On ne va pas l'improviser comme ça avec une classe qu'on ne tient pas. Hein. On va pas se raconter n'importe quoi non plus. Mais ce n'est pas forcément le blocage qu'on peut croire. Et Gibra nous dit, mon fils a adoré le yoga avec sa maîtresse et on m'a parlé d'un coussin vibrant. Ok. Et puis, on en a d'autres, super. Et pour le collège, demande Caro, est-ce que vous avez des astuces? Bon, moi, je pense qu'il y a des choses applicables, hein, de toute façon. C'est à vous de trouver avec vos élèves et avec l'âge de vos élèves. Mais le fait de se déplacer, si nous, on arrive à se faire déplacer les élèves dans le calme dès la moyenne, grande section ou la maternelle, ça me semble gérable avec des élèves de collège. Hein. Alors, on a des astuces aussi. Plus de place au jeu et à la manipulation, avec possibilité de jouer sur le sol, par exemple. Un jeu mathématique, une table ronde plus haute que les autres tables, avec possibilité d'être debout, nous propose Caroline. Donc, tout ça, c'est vraiment de la souplesse, en fait. Hein. C'est vraiment laisser vraiment les rigidités de côté et se dire, au fond, comment est-ce qu'on met de la souplesse là-dedans. Alors, moi, je crois pas du tout au mode d'emploi. Hein, donc, c'est vraiment pas... Simplement, ce que je pense, c'est vraiment que c'est hyper intéressant de se dire, au fond... Encore une fois, qu'est-ce qui chez cet enfant empêche qu'il soit dans les apprentissages? Parce qu'il y a la plupart du temps quelque chose qui empêche, et te dire tiens, pour lui je vais faire ça, et puis ça pourra en effet servir à d'autres, quoi. Et puis il y a des, enfin j'imagine qu'il y a des classes où il n'y a pas du tout besoin de ça, hein. Oui. Voilà, et puis il y a des choses qui correspondent, voilà, qui vont bien fonctionner pour certaines classes ou certains enfants et pas du tout pour d'autres. En revanche, ce qui est certain, c'est que les émotions, ça, on peut quand même être assez un peu pour le coup transversal là-dessus, c'est que très clairement, le fait d'avoir un adulte qui, à un moment donné, dit « toi, j'ai l'impression que soit tu es découragé, par exemple, j'ai l'impression que tu te dis que c'est trop tard », ça, nous, on le fait beaucoup justement au collège pour répondre à cette question-là. Nous, sur cette émotion-là qui est, à un moment donné, une espèce d'autodéception, de découragement très fort, de colère contre soi-même, contre le système d'une certaine manière, qui peut, par exemple, se manifester par des enfants qui vont faire le clown en classe. Ouais. Parce qu'au moins, c'est moins triste d'être résigné comme ça en faisant le clown. C'est important aussi d'aller voir un peu ce qui fait que, au fond, à ce moment-là en tout cas, il n'y a plus tellement d'autres possibilités. Je raconte dans le livre, hein, le cas d'un petit garçon qui, à un moment donné, s'est dit de toute façon, c'est trop tard parce qu'il a eu un deuil dans sa famille et qu'au fond, il a un peu décroché pendant un certain nombre de mois. Et au fond, il trouve ça comme solution. Il se dit, de toute façon, je vais redoubler foutu pour foutu. Autant faire le clown. Et donc, il invente des blagues extrêmement drôles pour faire rire tout le monde. Ça fait rire peu d'adultes. Ouais. Pas mal ses camarades, mais assez peu les adultes d'une façon générale. Ouais. Et au fond, à un moment donné, il se saisit de la main tendue de cette enseignante qui va lui dire, écoute, toi, tu penses peut-être que c'est trop tard, mais peut-être pas. Et on peut regarder si on fait quelque chose ensemble de particulier. Alors, ça demande évidemment du temps. Ça demande de l'investissement, mais moi je suis complètement un peu en adoration devant cette profession, parce que je trouve que vous êtes un peu des héros, et je suis toujours saisie justement par l'implication qu'un certain nombre, en tout cas, peuvent mettre pour vraiment aider un enfant à sortir de ce qui vraiment le tétanise, le paralyse ou le déprime, quoi, d'une certaine façon. Et donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment des enfants qui sont sauvés par des enseignants, quoi. Et parfois, pas forcément en faisant des choses monstrueuses, quoi. Ouais. C'est vrai que l'écoute, j'arrive toujours, on va pas faire de rien, mais est à la base de ça. Écouter déjà et croire en et se dire c'est possible et essayons autrement, c'est un levier qui marche, c'est assez incroyable. Et c'est vrai que même si...
on a l'impression que ça ne va pas marcher ou que ça peut être long, avec les transformations que ça apporte, en fait, il y a un retour, quoi. Il y a une transformation totale. Si vous pouvez témoigner de ça aussi, de certains élèves avec qui vous avez testé des choses comme ça, et que vraiment, ça a changé la configuration de la classe, ça a changé l'énergie, la vôtre, celle de cet élève et des autres autour. C'est-à-dire qu'on ne va pas être à choses constantes, quoi. Ce qu'on change là va aussi changer les choses. Donc, le temps qu'on va, entre guillemets, perdre ici, investir ici, va être gagné par ailleurs, parce qu'un enfant qui se sent mieux, ben, il apprend mieux, il réussit mieux, il retrouve de l'énergie et il apporte aussi à son tour à la classe plein de choses, quoi. Alors, en l'occurrence, il y a des enfants aussi à qui nous on dit, quand on les reçoit en consultation pour des problèmes un peu relationnels avec leur enseignant, où on leur dit au fond, tu tiens cette relation, c'est-à-dire que tu as un impact aussi sur cette relation. Et j'ai vraiment voulu faire un zoom là-dessus, sur le fait que je dis aux enfants, demandez à tous les adultes qui vous entourent, posez la question, quel est l'enseignant qui t'a le plus marqué positivement. Ils ont tous une réponse pratiquement. Et c'est intéressant parce qu'en plus, un même prof peut avoir marqué très positivement certains élèves, moins d'autres, et peu importe, c'est pas du tout un problème. Et je leur dis, prends soin de cette relation quand même, parce que c'est une relation hyper importante, et que c'est beaucoup plus facile d'être dans les apprentissages quand ça se passe bien, de façon apaisée avec son enseignant, que quand ça se passe mal. Après, quand tu vas arriver au collège, en plus, il y en aura plein des enseignants, et donc tu vas pas pouvoir t'entendre avec tous. Mais tu peux pas, parce qu'on entend souvent les parents dire « Ah ben avec ce prof, ça se passe hyper bien parce qu'il l'adore. » Oui, d'accord, mais on peut pas adorer tout le monde. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné en entreprise où ils adoreront pas tout le monde. Ouais. Et je trouve que ça, c'est pas assez dit en fait aux enfants. Je trouve en plus que, d'une certaine manière, il y a à certains moments une espèce de, comment je peux dire ça sans être désagréable, mais d'intrusion des parents dans cette relation-là, entre l'enfant et l'enseignant, avec cette volonté tout à fait bienveillante, hein, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais je trouve qu'on ne laisse pas assez réguler les enfants et les enseignants ensemble, quoi. Ouais. Et donc, autant je vais travailler avec des enseignants pour dire, tiens, comment on peut faire, mais autant je vais travailler aussi avec des enfants en disant, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que là, j'ai l'impression que pour l'instant, avec ton enseignant, c'est pas terrible. Est-ce que tu pourrais lui dire des choses, par exemple? Est-ce que tu pourrais lui dire, par exemple, j'ai l'impression que je vous agace beaucoup, et en fait, je ne sais pas trop ce qui vous agace le plus, est-ce que vous pourriez me le dire? Parce que... Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne leur dit pas assez, en fait. On est encore sur l'idée de responsabiliser, finalement, aussi l'enfant dans sa relation avec l'autre. C'est super. Alors, je vois l'heure, il est 21h46, donc on va devoir malheureusement s'arrêter. Est-ce qu'on peut prendre juste une minute pour... Bien sûr. Parce que voilà. Alors, il y a beaucoup de postes, donc on va vous contacter, on contactera les gagnants par Messenger. Donc, en tout cas, vous avez bien joué le jeu et je comprends que vous soyez motivés. Donc, avant juste qu'on vous remercie tous pour vos retours, etc. Il y a dedans, sachez que vous trouvez aussi donc le conseil du psy, vous trouvez des zooms sur par exemple la peur à l'école, etc. Donc c'est mais passionnant, je trouve, pour soi, pour le lire, pour le faire lire à nos élèves, mais aussi pour vraiment en classe s'en servir, parce qu'ensemble on peut vraiment parcourir les histoires de chacun, on peut aller faire des zooms, on peut discuter ensemble et prendre le temps, parce que c'est ça, on se dit on prend pas assez le temps de le faire, comment le faire? Ben là, c'est une façon de le faire, avec le fait de faire ça, de prendre de la distance, puisque ce n'est pas nos histoires de la classe. C'est chouette de pouvoir raconter les histoires de quelqu'un d'autre et au passage, nous aussi, d'aborder les nôtres. Je pense que ça peut être plus facile. Voilà, si vous avez une dernière petite remarque, sinon, voilà, on va devoir se laisser. Que faire en primaire, en milieu difficile, presque ZEP, où la plupart des enfants sont en décrochage? La pédagogie doit être le levier, mais quand rien ne marche, comment les remobiliser? Écoute, empathie, patience, demande Stéphanie. Qu'est-ce qu'on peut répondre rapidement à ça? On ne peut pas répondre rapidement à ça parce que c'est un sujet extrêmement complexe. Ouais. Je pense que là, il y a des histoires de renoncement, en fait, hein, sur lesquelles il faut mettre des mots. Parce que voilà, il y a des renoncements, il y a à un moment donné des conflits de loyauté aussi, il y a toutes sortes de choses, à mon avis, qui sont en action. Et c'est important de pouvoir les nommer, quoi, en tout cas. Ouais, c'est ça. Mmh. Je pense que si je dois synthétiser un petit peu tout ce que tu nous as dit ce soir, il y a le pas d'écouter, finalement, de mettre des mots dessus. Penser que quelque chose qui n'a pas marché, qui ne marche pas depuis très longtemps, ben, il va falloir penser à faire autre chose, à faire l'inverse. Le boomerang stratégique est 180 degrés. Et puis, il y a aussi cette idée de principe de réalité. Est-ce que aussi dans nos exigences, on n'a pas, nous-mêmes, on n'est pas dans nos injonctions très fortes où on veut que tout soit parfait, tout soit, etc., alors que ce n'est pas du tout réaliste, finalement.
de demander à nos élèves de réussir tout de suite, d'y arriver malgré tout ce qu'ils ont pu vivre. Et si on se donnait du temps, nous aussi, et si on écoutait, et si on faisait, on appliquait aussi un petit peu tout ça, nous aussi, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Emmanuel Piquet d'être venu voilà, nous parler de cet ouvrage que vous pouvez trouver aux éditions Albin Michel Jeunesse. Et puis, à très bientôt à tous. Et puis, j'étais ravie d'avoir la chance de faire ce live ce soir et de vous retrouver. Et puis, on vous dit à très bientôt. Suivez l'actualité. On a plein de choses à vous proposer pour vous accompagner pour la suite de cette rentrée et de l'installation dans l'année. À très bientôt à tous. Au revoir.